Salut à tous, c'est Lestat05 et c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors cette fois-ci, c'est des achats que j'ai fait sur Cdiscount pendant les soldes. Et j'ai fait en fin de compte des soldes l'éco-dimension. Alors je viens juste de la recevoir, donc j'ai juste ouvert la boîte sur Cdiscount. J'ai juste d'aller le rechercher, donc j'en ai profité avec vous pour vous montrer ce que j'ai envie d'acheter. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris, et puis je vous dirai le prix à la fin, parce que tout ce que j'ai pris là, c'était réellement pas cher du tout, et j'en ai profité en fin de compte, c'était juste lors des ventes flash, premier jour des soldes avec Cdiscount. Ce qui fait que tout ce que j'ai là, ils ont remis le prix au max, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur avoir en fin de compte, ils ont tout mis au prix max. Mais voilà, donc j'ai commencé par ce que j'ai pris moi, donc... Je me suis pris Ghostbusters. Donc en fin de compte, j'ai pris en fin de compte ceux qui me manquaient. Donc il m'en manque encore pas mal quoi. Mais j'ai voulu privilégier plutôt les nouveaux levels en fin de compte. Donc ça, il y a plus d'aventures, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Hop. Alors le premier, donc c'était ça. Donc j'ai pris Portal 2, qui est là. Voilà. J'ai pris également Midway Arcade. Juste ici, j'en ai profité aussi pour Batman Excalibur. Donc là, c'est l'un des nouveaux qui est sorti cette année en plus. Enfin, il me semble, ouais, je crois, il me semble. Et aussi là, alors là, c'est le bouquet. Sur que c'est le bouquet, et j'ai pris aussi ce truc là, le pack histoire de Batman The Movie. Donc voilà. Alors, pour vous dire tout ça, tout ce que je viens de vous présenter, j'en ai eu pour exactement 43-44 euros le tout. Ce qui vaut que c'est quasi le prix de ce truc-là, en fait. Alors, j'en ai vraiment profité et je suis sauté sur l'occasion. Donc ça, je l'ai payé, en fin de compte, 14-15 euros, je crois, qu'il était sur Cdiscount, en vente flash. Excalibur, je l'ai payé que 5 euros, enfin, 4,90 ou quelque chose comme ça. Et les autres packs aventures, il y en a qui étaient à 10 euros, il y en a qui étaient à 7-8 euros. Et du coup, j'en ai profité pour les prendre. Donc voilà. Donc c'était le top. Donc c'est tout, hein, je suis content parce que bon, c'est vrai que c'est une licence que j'aime beaucoup, Lego Dimension, je m'éclate beaucoup avec et j'espère qu'en faisant mes vidéos aussi vous éclatez à les regarder. Et puis tant qu'à moi, ben, c'est tout, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo de mes Lego Dimensions où je vous présenterai un peu les niveaux, enfin je ferai les niveaux comme j'ai l'habitude de faire. Et puis tant qu'à moi, je vous retrouve à une prochaine fois. Allez! Ciao, ciao!